vidéo. Ouais. Donc, comme tu l'auras compris, comme tu l'as vu dans le titre, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. C'est la vidéo de mes dernières créations. Ce sont celles du mois de février. Voilà. Et contrairement au mois dernier où j'avais rien foutu à part quelques petits bijoux en résine, mais vraiment banal. Et bah là, ce mois-ci, enfin le mois de février du coup, j'ai fait des créations très... Ouais, j'ai envie de le dire, hein, complexes. Ah non, tu ne coupes pas la parole, toi. Commence pas. Hein. Bah ouais, c'est bon. Donc ouais, c'est des petits bijoux qui m'ont pris énormément de temps à chaque fois. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup de temps. On va parler les 4 premiers que je vais te montrer. C'est des créations assez basiques, donc ça, ça a été assez rapide. Mais toutes les autres, j'en voyais pas le bout. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Ça en finit pas, au secours. Je voulais changer, parce qu'il y a des créations classiques que tout le monde fait, et bah ça ne m'amuse plus autant qu'avant. Moi, je voulais faire des choses beaucoup plus corsées. Voilà, c'est tout. Bon, sinon, mis à part ça, je voulais te parler d'un petit truc avant, parce que ça me taraude depuis un moment. Et je sais pas, je suis un peu perdue là, je sais pas si je le fais ou si je le fais. J'aimerais apporter un peu de changement à cette chaîne, parce que bah, ça fait un petit moment, hein, j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2013. Et depuis 2013, bah, j'ai jamais rien changé. Donc j'aimerais, enfin quasiment rien. Donc j'aimerais bien changer quelques petites choses sur cette chaîne YouTube. Et j'avais pensé à changer mon pseudo parce que j'en ai un petit peu ras le cul celui-là. Hein, faut me dire les choses comme elles sont. En fait, il n'y a rien de... Je fais crabe. Il n'y a rien de transcendant parce que c'est juste mon prénom auquel j'ai enlevé la première lettre et auquel j'ai changé un petit peu l'orthographe. Donc voilà, il n'y a pas de... Ça casse pas trois pattes à un canard, comme j'aime si bien le dire. Voilà. Donc j'avais déjà pensé à un nouveau pseudo que j'ai mis sur Instagram depuis un petit moment maintenant et qui est passé complètement inaperçu. Et voilà, je me tâte à changer de nom ou alors à changer le design de la chaîne. C'est tout le tralala de refaire tout à zéro. Je sais pas, mais j'ai besoin de changement. Puisque là, il y en a ras le cul. Il y a rien qui change, ça m'énerve, donc j'aimerais changer. Mais je sais pas si je change mon pseudo, le design ou tout... Enfin, j'en sais rien. Mais j'ai besoin de changement, ça c'est sûr. Voilà, j'en peux plus. Voilà. Bon, sinon, mis à part ça, c'était tout. Et je vais te montrer les créations que j'ai réalisées au mois de février, que tu peux retrouver directement sur ma boutique, qui est en barre d'infos. Je dis ça, je dis rien, tu fais ce que tu veux, bien sûr. Non, j'allais dire une connerie, tous les bijoux ont été poncés à la main. Mais non, parce que j'ai fait que des personnages. Enfin, beaucoup. Que des... Oui, il n'y a pas de bijoux. Classique. Excusez-moi d'appeler ça classique. Hein. Mais là, j'ai fait vraiment que du modelage. Voilà. À part les tout premiers bijoux que je vais te montrer, c'est autre chose. C'est classique. Je sais pas. T'as compris ce que je voulais dire? Bah, t'es trop fort. Mais du coup, bah, j'avais rien à poncer ce mois-ci. Yes! Ça fait du bien. Bon bref, allez, j'arrête de blablater et je te montre tout de suite les créations que j'ai réalisées au mois de février. C'est parti! Et on commence tout de suite avec une toute petite paire de boucles d'oreilles. J'aime bien de temps en temps réaliser des boucles d'oreilles classiques, toutes simples, qui payent pas de mine, mais qui en jettent en mode. Donc voilà, là c'est avec mes petites fleurs lucides que j'aime à la folie. J'adore ces fleurs-là, ces perles fleurs-là. Perles fleurs-là. C'est bien, enfin bref, t'as compris. Donc là du coup, je les ai réalisées en rose, mais je peux les réaliser dans plusieurs couleurs différentes. J'ai voulu faire rose parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment le rose. Moi, j'ai horreur de ça. Donc ça, c'est sûr, vous pouvez être sûr que celle-ci, je vais pas vous les piquer. Ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai réalisé des bijoux classiques. Entre guillemets. Et pour ça, j'ai utilisé la technique du patchwork parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette technique-là et j'aime bien, je trouve ça rigolo. Donc voilà, j'ai deux petits bijoux en patchwork. J'avais déjà réalisé un tuto de cette technique-là sur... Oui, je crois que c'est sur cette chaîne-là. Parce que si jamais t'es pas au courant, je te balance ça aussi, mais j'ai une deuxième chaîne YouTube qui est dédiée à des tutos. 100% tutos, que des tutos. Toutes les deux semaines, t'as un tuto différent. Bref, voilà. En tout cas, c'est sûr, j'ai déjà réalisé un tuto sur cette technique-là. Et pour rester dans les bijoux classiques, j'ai réalisé des petits macarons. Je fais très rarement des bijoux gourmands parce que c'est pas mon truc. Pour être honnête, je trouve ça trop facile à réaliser et puis je prends aucun plaisir. Donc franchement, les gourmandises, c'est pas mon truc. Mais là, j'ai voulu en faire quand même quelques-uns. Donc j'ai 6 petits magnettes, des petits aimants.
en forme de macaron avec des jolies petites roses dessus. J'ai dit 6, non, il y en a 5. Donc on enchaîne ensuite avec des personnages, et cette fois-ci ce sont des animaux. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des petites bêtes, des petits animaux, mais j'adore les animaux, je suis une grande fan des animaux. Si jamais on n'était pas au courant, hein, je vis avec un chien, 3 chats et 2 oiseaux. Et puis j'ai eu aussi un furet, des rats, des souris, des hamsters, un caméléon, des serpents. Enfin bref, ça a été une animalerie ici pendant un moment. Là j'ai plus que 3 chats, un chien et 2 oiseaux. Ça va, c'est raisonnable. Du coup voilà, ouais, j'ai fait une petite collection de bijoux avec des animaux, pas des animaux classiques, pas de, si tu veux, c'est pas un chat ni un chien, c'est différent encore. Enfin bref, je te laisse regarder ça, ça sera plus simple. Voilà, alors avant toute chose, je préfère le préciser, je suis pas du tout une experte en la matière, que ce soit bien clair. Et j'ai pas la prétention de dire que je suis la meilleure, non, c'est pas mon délire, pas du tout même, je fais avec les moyens du bord, hein. je l'ai dit, je suis pas une experte, donc je fais comme je peux. Voilà, donc les animaux que je vais te montrer, ils ont plein de défauts, ils sont pas parfaits, mais c'est fait avec le cœur, donc c'est le plus important, non? Et c'est pas du kawaii, j'essaye de faire des choses réalistes, parce que le kawaii c'est pas mon délire, hein. Personnellement, j'aime pas trop le kawaii, je préfère faire des choses réalistes. Voilà, bref, du coup c'est pas du haut de gamme, mais voilà, moi personnellement je suis quand même contente de moi. Mais je me lance une petite fleur. C'est pas la mode. Je préfère le dire, hein, parce que j'ai pas envie que. Hein, voilà. Mais c'est pas du haut niveau, mais je suis quand même contente de moi. Voilà. Donc c'est pareil, c'est comme un peu les personnages. J'aime bien faire juste la tête. Le corps, moi, il m'intéresse pas du tout, je m'en fous. Je préfère faire la tête, c'est ce qui est le plus important. Imagine si je faisais l'inverse, si je faisais juste le corps, ça serait couillon quand même. Et donc on commence tout de suite avec un petit panda. Et j'ai essayé de faire du bambou à côté, mais ça ressemble pas vraiment à du bambou. Bref, voilà, j'ai fait un petit panda. Celui-là, je suis pas spécialement fan parce que je trouve que bah, il fait pas. Quand je l'ai montré à mon entourage, personne n'a réussi à deviner ce que c'était. Donc je me dis qu'en fait, je l'ai foiré. Surtout au niveau des yeux parce que bah, je les ai mal placés les yeux. Mais bref, voilà, j'ai essayé de faire un petit lama. Et ça ne ressemble pas à un lama. Mais bon, bah voilà. J'en recommencerai un la prochaine fois. Parce qu'on m'a passé commande, on m'a demandé, il y a une dame qui passe souvent commande sur ma boutique, qui m'a demandé de lui réaliser 2 lamas en collier. Donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai montré le résultat et elle est ravie, donc je suis contente. Donc du coup voilà, ces 2 petits lamas là, ces 2 petits colliers là sont déjà adoptés. Ils vont bientôt rejoindre leur nouvelle famille. Voilà, j'ai 2 petits lamas comme ça. Tout simple, tout mignon, tout gentil. Ceux-là par contre ils font un peu kawaii. Koala. Et si jamais tu me suis sur Facebook et Instagram et tu as dû voir la vidéo de comment j'ai réalisé ce petit koala. Voilà, parce que j'ai partagé une petite vidéo rapide qui faisait juste 1 minute où je montre comment j'ai réalisé la tête de ce koala. Voilà, voilà. Ensuite, là, je fais juste une petite apostrophe. Parce que là, je te jure, je suis trop contente. Je suis là, honnêtement, j'ai envie de le dire, je suis fière de moi. C'est rare quand je dis ça, mais alors là, je suis trop contente, je trouve que je l'ai trop bien réalisé. Je te le montre ? Allez, c'est parti ! J'ai réalisé un petit gorille. Un tout petit, hein, il est mastoc celui-là quand même. Hein. C'est vraiment un bijou très, très, très imposant.
un bon gros gorille. J'adore les singes. Les tout petits singes comme ça, ils m'ont toujours impressionné. J'ai toujours aimé ça, je trouve ça vraiment waouh. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai toujours rêvé de réaliser un bijou comme ça, mais j'ai toujours eu peur parce qu'il y a vraiment tellement de détails dans un gorille, même dans les autres animaux, hein, mais le gorille, je trouve que c'est encore enlevé là-dessus, quoi. Donc, bref, voilà. Ça change de mes petites fées, hein. Ça n'a rien à voir. Qui va oser mettre ça autour de son cou? Et le dernier bijou que j'ai quand même classé dans les animaux, même si c'est pas vraiment du tout dans les animaux que ça devrait être, mais c'est pas grave. J'ai essayé de réaliser le bébé Yoda. Ah, j'y connais rien du tout en Star Wars, honnêtement, j'ai jamais regardé aucun film de cette saga-là de ma vie. À part les Ewoks, c'est la seule chose que j'ai regardée. Mais tout le monde me dit, mais ça n'a rien à voir avec Star Wars. Bah, je croyais que c'était le même univers, mais excusez-moi. Bref, du coup, je me suis seulement inspirée des petites photos que j'ai trouvées sur internet. Donc voilà. Je l'ai jamais vu en vrai. Enfin, en vrai, tu m'as compris, hein, dans les films. Je me suis seulement inspirée de quelques photos que j'ai pu trouver. Donc j'espère que ça sera suffisant. Voilà, voilà. Et putain, il pleut. Et il y avait un rayon de soleil juste avant. Maintenant, il va faire sombre. Putain, ça me saoule cette météo là. J'en ai marre de la Normandie. Hein. J'espère que ça ira quand même, hein. Je croise les doigts. Et du coup, maintenant, on va terminer avec la dernière catégorie. Et j'ai refait des bijoux sur le thème de Harry Potter. Ben oui, c'est à cause de ma fille, elle m'a contaminée. Alors, j'aimais déjà bien avant, mais avec ma fille, c'est encore pire. La plus petite, parce que la plus grande, elle s'en fout. Mais la plus petite, elle est super méga fan de l'univers de Harry Potter. Donc du coup, ça m'a motivée à refaire encore et encore des bijoux sur le thème de Harry Potter. Voilà. Et d'ailleurs, si tu l'avais pas vu, ma vidéo DIY sur le thème de Harry Potter, j'ai réalisé j'ai réalisé deux créations sur le thème de Harry Potter que je lui ai offert à Noël. Elle était aux anges. Waouh, elle était trop contente. Alors je sais pas si t'as vu ma vidéo DIY, mais du coup je vais te les montrer dans cette vidéo là parce que j'avais complètement zappé de te la montrer dans les autres vidéos. J'avais complètement zappé. Bref, voilà, je te montre ça tout de suite, les deux créations que j'ai réalisées pour elle, pour son cadeau de Noël, entre autres, parce qu'elle en a eu d'autres aussi. Elle a eu plein de choses sur le thème de Harry Potter. C'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi. Donc du coup, si jamais ça t'intéresse de savoir comment j'ai réalisé ça, eh bien tu peux aller voir ma vidéo DIY Harry Potter, parce que je lui ai réalisé cette jolie baguette de Harry Potter. Alors c'est pas la compi conforme, hein, bien évidemment, j'y suis allée un peu au freestyle, mais j'ai quand même essayé de respecter la baguette de Harry. Voilà. Avec la petite boîte que j'ai... Enfin, je l'ai pas fabriquée moi-même, la boîte en elle-même, c'est ma mère qui me l'a donnée, elle a retrouvé ça dans son grenier. Et du coup, moi je l'ai habillée. J'ai rajouté du velours avec de la mousse à l'intérieur et puis j'ai fait de... Enfin, c'est pas moi, c'est mon chéri qui a fait de la pyrogravure sur la boîte. Et la deuxième création que je lui ai réalisée, eh bien, c'est le vif d'or. Voilà, donc c'est pareil, c'est pas la compi conforme, mais j'ai essayé d'être le plus réaliste possible quand même. Donc j'ai mis ça dans un globe que j'avais trouvé chez Action. J'ai même customisé la petite boîte, même si la peinture a commencé à s'écailler. Ça c'est un peu couillon, mais bon. La boîte, on s'en fout, c'est le... ce qu'il y a à l'intérieur le plus important. Trêve de blabla, j'en ai fini avec les créations pour ma fille. J'en ai encore une à réaliser, faut que j'arrive à faire la mandragore maintenant. Alors, est-ce que ça t'intéresse d'ailleurs la mandragore, de l'avoir en tuto aussi, comme les deux autres là? Dis-moi, hein, parce que moi ça me dérange pas du tout de faire le tuto de la mandragore, même s'il en existe déjà plein sur YouTube. Un pouce ou un moins, qu'est-ce que ça change? Du coup, ouais, faut que j'y fasse la mandragore. Et après, je sais pas ce que j'y ferai d'autre, au fur et à mesure. Son anniversaire c'est au mois de juin, alors du coup bah, je lui offrirai comme ça. Je ne vais pas attendre le mois de juin pour lui offrir, hein. C'est marrant. Si je la fais le mois prochain, je lui donne direct. Hein. Cherche pas à comprendre. Bref, on s'en fout. Du coup, je reprends avec les bijoux sur l'univers de Harry Potter et je te laisse regarder ça. Bah là, maintenant. C'est parti! Magie! Bah oui, c'est Harry Potter, c'est de la magie!
Donc on commence avec le petit bracelet que j'avais déjà réalisé il y a un petit moment, mais qui avait été vendu sur ma boutique et quelqu'un m'a demandé de le refaire. Donc encore une fois, ça c'est une petite commande qui va bientôt rejoindre son nouveau propriétaire. Un petit bracelet sur Harry Potter avec le Choixpeau, le Vif d'Or, Edwige, la lettre de Poudlard, les reliques de la mort, le balai de le Nimbus 2000, il y a la petite cravate aux couleurs de Gryffondor bien évidemment, et le portrait, si on peut dire ça comme ça, de Monsieur Harry Potter. Tout à l'heure, et ben là j'ai fait le gâteau de Hagrid, que Hagrid offre à Harry pour son anniversaire. Tu sais, le petit gâteau où il y a plein de fautes d'orthographe. Et ben voilà, je me suis amusée à le réaliser. Alors c'est couillon parce que j'ai marqué Happy Birthday Harry, mais on le voit pas forcément très bien. Ça, je suis un petit peu dégoûtée à ce niveau là, mais bon. Ben voilà, hein, c'est fait maintenant. Ensuite, je me suis amusée à réaliser le portrait des trois meilleurs amis, Harry, Hermione et Ron. Voilà les trois portraits. J'ai changé les supports camés, j'en ai mis trois différents. Et bah, je trouve ça plus rigolo comme ça. Donc c'est des caricatures, hein, bien évidemment, parce que faire du réaliste, là, c'était un petit peu compliqué, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hein. le plus réaliste possible, mais bah voilà. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis pas une experte, je fais de mon mieux, c'est tout. C'était pas l'elfe de Harry au début, à l'origine, mais ça l'est devenu après. Enfin bref, avant qu'il meure, pauvre bébé. Oh enfin, non, j'ai spoilé. Non mais de toute façon, tout le monde a déjà vu Harry. Hein. Du coup, voilà, j'ai réalisé Dobby, le portrait encore une fois. Je l'avais déjà réalisé il y a quelques temps déjà, il a été vendu aussi, celui-ci d'ailleurs. Et tu peux voir la différence entre les deux, celui que j'ai réalisé en novembre 2018 et celui de cette année. Il y a un petit peu de changement quand même, non? Tu trouves pas? Alors celui-ci fait peut-être un peu peur, il est peut-être un petit peu triste, tout né, mais il y a quand même beaucoup plus de détails que dans le premier que j'avais fait. Avec le temps, on rajoute plus ou moins de choses. Bref, on s'en fout. Trêve de blabla. On continue avec l'avant-dernier, et bien c'est le professeur Dumbledore, le directeur de l'école de Poudlard. C'est pareil, j'ai essayé d'être le plus ressemblant possible, mais c'est vraiment pas évident à faire, quoi. C'est plus des caricatures que je réalise. Il s'agit du méchant Lord Voldemort. Donc là par contre mon chéri m'a dit que je l'avais complètement foiré comparé aux autres. Alors n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses, parce que du coup je suis un peu déprimée si je l'ai complètement foiré. Bref, voilà, c'était Lord Voldemort, le méchant. En même temps s'il est foiré c'est pas grave parce que c'est un méchant.
j'ai fait tout le temps des créations généralisées au mois de février. Donc comme je t'ai dit, j'ai pas beaucoup de bijoux classiques. J'ai même pas fait de tuto du coup ce mois-ci, à part le petit koala que j'ai montré vite fait en vidéo sur Instagram et sur Facebook. Mais sinon, j'ai pas réalisé de tuto ce mois-ci, non. C'est pas bien. Je suis pas gentille, hein. Non, je vais me rattraper. Je vais me rattraper là au mois de mars parce que j'ai plein de tutos dans ma tête qui. Alors faut que je les sorte avant que ça disparaisse. Mais parce que je suis un vrai poisson rouge. Donc ouais, du coup, il y a une vingtaine de bijoux. Et c'est des bijoux qui m'ont demandé énormément de temps. Bah à chaque fois, je passais une après-midi entière sur chaque bijou. Hein, pour être clair, c'est ça. Quasiment. Quasiment. C'est presque ça. Sur les gros personnages, c'est ça. Je passais près toute une après-midi, voire même plus. Donc... Je vais recommencer sur les bijoux classiques, c'est beaucoup moins long. là j'ai donné, pour le mois de février j'ai tout donné, donc pour le mois de mars je vais me calmer. Voilà. Bah, je dis ça, je dis rien, parce que je sais pas, c'est plus fort que moi, j'aime bien faire des personnages, c'est plus rigolo. Bref, on s'en fout très... Eh, faut que j'arrête de parler moi. Du coup bref, j'en ai fini avec cette vidéo comme je l'ai dit. Donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire, comme à chaque fois j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs, même si je suis un peu longue à la détente. Faut être patient avec moi, c'est toujours comme ça. Mais j'ai qu'une parole et je vais jusqu'au bout de ce que je dis et de ce que je fais. Voilà. C'est clair? C'est bien. Si jamais t'as des idées de tuto, n'hésite pas à me le faire savoir, parce que si je peux, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas une experte, mais si je peux le faire, et ben ça sera avec le plus grand des plaisirs. Donc il n'y a pas de problème. Et du coup, voilà. Je crois que c'est le moment de couper court à cette vidéo, parce que j'ai tout dit, j'ai tout fait tout le tour. Je me suis embrouillée, mais t'as compris, voilà, c'est le principal. Du coup, ouais. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, dans la vidéo All Elite Clay in Wonderland, il y aura 2 vidéos par semaine ce mois-ci. C'est dingue, hein, c'est un exploit, ou pas. Je sais pas si t'es content, j'en sais rien, mais c'est comme ça, t'as pas le choix. Si t'as pas envie de regarder, et ben tu regardes pas. Et puis voilà. Arrête de parler, tais-toi. Je me parle à moi-même, pardon. Je suis complètement cinglée. Faut que j'arrête. On coupe court. Comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, on coupe court. Hein. Maintenant, je continue. Hein. N'importe quoi. Je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très 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 vite. Bah oui, lundi. Parce que là, on est vendredi. Enfin non, moi on est mardi. Mais toi, tu verras cette vidéo vendredi. Et du coup, lundi, il y en aura une autre. Et puis vendredi aussi. Et puis lundi aussi. Tous les lundis et tous les vendredis au mois de mars. Il y aura une vidéo à chaque fois. Voilà, bref. C'est tout. Allez, tout plein de gros boutous. Encore. On n'en a jamais assez des petits bisous. Moi, j'adore les bisous, j'adore les câlins. Je suis un petit bisounours. Pardon. Bref, allez. À très vite!